Aujourd'hui les potes, j'ai découvert un tout nouveau pont sur Minecraft, mais attention parce qu'apparemment il s'agirait du pont de la mort sur Minecraft. Alors voilà, quand je parle du pont de la mort, c'est un pont qui est tout simplement quasiment infranchissable, à moins voilà de devoir réussir à réaliser quelques missions pour quelqu'un, mais pas seulement que ça, parce qu'apparemment voilà le pont sera apparemment aussi tellement vieux qu'il ne pourrait pas convenir à tout le monde. Voilà, ça veut dire que si jamais on le passe trop de fois, il pourrait carrément même se casser, donc voilà, c'est super dangereux. Mais aujourd'hui je tiens à relever ce défi pour vous les personnes qui regarde la vidéo, et c'est pour ça que dès maintenant, si tu veux me soutenir, voilà ce que je franchisse le pont de la mort en entier. Dès maintenant, je t'invite à ce que tu t'abonnes à la chaîne YouTube et que tu actives la cloche de notification, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis en plus, comme ça, je ne verrai plus aucune de mes vidéos, surtout que j'en fais absolument une tous les jours, c'est super important. Et puis dès maintenant, je t'invite pourquoi pas aussi à ce que tu mettes un petit pouce bleu, puisque évidemment, plus il y aura de likes sur la vidéo, et plus je pourrai faire plein de nouvelles vidéos de ce genre. Donc dès maintenant, mets un gros pouce bleu, c'est super important et ça me soutient énormément. Bon, écoute, je serai pas tout seul en plus pour la vidéo, puisqu'il y a Darky qui sera là pour m'accompagner. Yo, poto! Comment ça va, Twinner? Eh ben écoute, encore une fois, ça va super, Darky. Aujourd'hui, est-ce que t'as compris un petit peu le mode de jeu que l'on va faire? Eh ben, j'ai archi bien compris, et c'est pour ça aujourd'hui, moi j'ai un petit cheat code. Oh! Si jamais j'arrive pas à passer le pont, oui, je me mets en Superman, et là, normalement, il me laisse passer. Non mais ça, c'est de la triche, Darky, tu sais bien qu'on n'a pas le droit de tricher avec des trucs comme ça. Eh, si jamais t'es découvert avec un skin de Superman, on va dire comme quoi t'es un tricheur, et ils te laisseront même pas passer. Au pire, je vais sortir ça, et puis je pense qu'il va me laisser passer, hein. Avec en plus un marteau de Thor, oui, ah oui, lui c'est un ouf. Bon, les amis, en tout cas, si tu ne l'as pas encore fait dès maintenant, je t'invite à ce que tu t'abonnes à la chaîne et que tu mettes aussi un gros pouce bleu. Et d'ailleurs, dès maintenant, tu as 2 secondes pour le faire, donc dépêche-toi vite de le faire, parce que apparemment, si tu ne le fais pas en moins de 2 secondes, il va y avoir un monstre qui débarquera sous ton lit ce soir. Donc voilà, petit conseil, hein, si tu veux pas qu'un monstre vienne t'attaquer durant ton cauchemar, et bien abonne-toi bien à la chaîne. Godzilla, oh là là là. Et bah écoutez, si vous voulez pas que Godzilla débarque dans votre lit ce soir à 3h du matin, abonne-toi vite à la chaîne et mets un pouce bleu, tu as 2 secondes pour faire ce défi. Bon, allez, et bah écoute Darky, moi ce que je te propose c'est que dès maintenant, on parte en direction de ce pont, et puis on découvre évidemment ensemble qu'est-ce qui nous prépare dans cette aventure, mais en tout cas ça risque d'être vraiment énorme. Allez, c'est parti. Twinner, oh là, t'as oublié quelque chose quand même, petit malin. Attends. Il te faudrait peut-être des protections. Ah ouais, tu penses qu'il nous faudrait des protections? Ah ouais, c'est vrai que quand même il s'agit d'un pont super super dangereux. Et évidemment voilà, si jamais on tombe, eh bien ça pourrait vraiment être mortel. Bah écoute, tu sais quoi Darky, je crois que vers chez toi il y a des équipements en diamant, non? Ah mais il y a tout ce qu'il faut en ce moment, hein. Bon bah allez, nickel, c'est parti. Allons récupérer dans ce cas là des équipements totalement en diamant. Depuis que j'ai tout volé à Furious Jumper, il y a tout. What, t'as volé des équipements à Furious Jumper? Chut. Ok, bon, on va pas le répéter. Allez, c'est parti. Let's go, prenons directement notre véhicule et partons en direction de chez toi pour récupérer eh bien les différents équipements que tu as. Alors dis-moi, qu'est-ce que t'as comme matériel un petit peu pour qu'on puisse franchir ce pont? J'ai des armures avec tous les enchantements du jeu, incroyable. Ah ouais, ça veut dire que normalement avec ça, on devrait quand même être pas mal protégé, non? Et on va tout casser, tu verras, eh, tu m'étonnes. Incroyable. Allez, c'est parti, partons directement en direction de l'endroit où se situeraient les différentes eh bien, armures en diamant. C'est parti, alors du coup, on va passer par ici. Ok, nickel. Tac, on va fermer la petite porte juste là. Ok, nickel. Donc, où sont les armures en diamant? C'est parti, bah écoute, je te suis. Regarde. Ah, nickel, donc vous avez plus voir, regardez-moi ça. On a donc les bottes, on a les jambières, on a le plastron, et puis on a le casque. Et comme vous avez plus voir, regardez-moi ça, elles sont toutes super bien protégées, qui nous permettra évidemment de pouvoir faire un petit peu tout ce qu'on veut. Donc franchement, c'est nickel, regardez en plus ça. On a, je pense qu'on va pas se mentir, on a quand même pas mal de flow avec tout ça. Hein. On n'est pas trop joli là quand même, Darky? Mais on est trop joli. Et moi, attends, moi je me suis pris un petit truc en plus, hein, si ça te dérange pas. Fais voir. Vas-y. Regarde contre le mur, vite fait. Regarde, retourne-toi. Ok. Tac. Oui. Wesh. Ouais, non. Mais non, tu vas me brûler là. Oh, oula. Partout. Oula, ouais. Fais attention là. Attends, mais t'as mis du feu même là-bas. Oula. Oui. Ah ouais, mais c'est puissant. Oui, non, mais c'est peut-être un petit peu trop dangereux ton jeu là. Hein. Je suis sûr qu'il faudrait Je pense qu'il faudrait que tu fasses gaffe avec ça. Hein. Ah, oui. Stop, arrête ça. Non mais, j'ai froid. Vas-y, allez-vous, ça vite. Je vais te réchauffer. Arrête, c'est bon. Bah écoute, on a donc normalement tout ce qu'il faut maintenant, comme vous pouvez le voir, regardez-moi ça. On est donc actuellement, eh bien, équipé en diamants, etc. On est pas mal, mais il manque quand même un petit truc, je trouve, Darky. Il manquerait, tu vois... Bah...
Hey, j'ai mon équipement en diamant, j'ai tout ce qu'il faut, mais il manquerait pas un petit truc pour combattre quand même, genre une épée par exemple. Ah bon? Il manquerait une épée? Bah allez, vas-y, trouve-moi un endroit où je peux... Là voilà l'épée, nickel. Eh ben écoute, là maintenant, je pense qu'on peut parler, et là maintenant, on est même prêt pour que l'on parte en direction de cette base. Donc c'est parti, faisons demi-tour d'Arki, et allons dans la voiture, et maintenant on va partir en direction de ce fameux pont. Alors par contre, est-ce que tu aurais des informations par rapport à où pourrait-il se situer? Parce que évidemment, moi actuellement, je ne le sais pas encore, t'as des petites idées toi ou pas du tout? Bah, je pense que ce serait vraiment le plus haut point du monde de Minecraft et vraiment l'endroit le plus haut. Hein. Alors, donc apparemment, voilà le pont de la mort, hein, puisque évidemment c'est comme ça qu'il s'appelle. Il devrait normalement être situé dans le point le plus culminant. Alors, pas forcément de Minecraft, mais en tout cas de la ville. Donc, ce que je propose, c'est que dès maintenant, on va passer par le petit chemin qui est juste ici. Regardez-moi ça. Il y a un chemin qui a été fait il y a de ça pas très longtemps, comme vous avez pu le voir. Regardez-moi ça. Et qui nous permet directement de monter assez haut. Donc, franchement, c'est plutôt stylé. Et puis, maintenant, on va regarder un petit peu où pourrait être ce fameux pont de la mort. Non, t'inquiète pas. Prison, c'est pas... Ouais. Oh là là, on va éviter aujourd'hui dans cette vidéo d'entrer dans la prison, mais il y a des gardes de partout devant. On va faire gaffe de pas y rentrer. Regardez-moi ça, il y a des gardes super protégés qui sont devant la prison avec des canons. Il y a même, regarde Darky, il y a même des gens qui ont essayé de venir et regarde, ils sont morts sur leur passage. T'approches pas trop près, on va s'éloigner un petit peu. Allez, c'est parti. Bon, alors, normalement, l'endroit le plus élevé de cet endroit, donc, c'est soit sur la gauche, soit sur la droite. Je pense plutôt qu'il s'agirait du volcan. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Darky. Je voulais te dire un truc, salut. Quoi? Mais pars pas. Mais m'abandonne pas. Wesh. Mais il est sérieux, Darky, il m'a abandonné comme ça. Oh là là, les amis, bon, franchement, je vais pas vous mentir que ça sent pas forcément super bon pour moi, étant donné que, eh bien, si je suis censé finir cette vidéo tout seul, je vais avoir du mal. Ah, mais wesh, il est parti. What, il m'abandonne comme ça, les potes. Ah ouais, eh ben franchement, les amis, je suis un petit peu déçu de lui, quand même, hein. Je m'attendais quand même à ce qu'il reste un petit peu plus longtemps à mes côtés, mais bon, visiblement, je crois bien qu'il nous a abandonné, donc je vais devoir finir cette vidéo tout seul. Ou en tout cas, eh bien, je vais devoir franchir le pont de la mort sans Darky. Donc, eh bien, écoutez, ce que je propose, c'est que dès maintenant, on va aller au point le plus culminant de cette map. Donc, c'est parti. Alors, pour ça, il faut évidemment que je monte tout en haut de ce volcan. Donc, eh bien, c'est parti. Alors, ça va être un petit peu long, évidemment. Mais une fois qu'on y sera, on découvrira si c'est bien ici qu'il y a le pont ou pas. Allez, on y va, les potes. Regardez-moi ça. On est déjà quasiment à la moitié du volcan. Si ce n'est même plus, hein. Regardez-moi ça. On est déjà pas mal haut, hein, franchement. Donc continuons à monter comme ceci, c'est franchement du bon travail qu'on est en train actuellement de réaliser. Ok, tac, voilà, on va passer ici, ici, waouh, et franchement, on est en train de monter super haut comme vous pouvez voir, hein. On est quasiment tout en haut les amis, donc franchement, c'est une super bonne chose de faite. Ok, tac, tac, voilà, c'est bon, on est tout en haut et regardez, le voilà, le fameux pont de la mort. Ah mais tu m'étonnes qu'il était super dangereux à passer, regardez-moi ça, il tend vers le vide, et comme vous avez pu le voir, il n'y a même pas de protection ici, donc c'est... je comprends mais pourquoi c'est si dangereux que ça. Bon, on va y aller, et je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a une sorte de... Mais c'est un petit bébé, on dirait un mini-roi, genre un prince. Attendez, on va aller le voir, c'est parti, allons le voir. Ok, bon c'est un peu bizarre les potes, parce que c'est un petit roi qui est en train de garder le passage. Oh bonjour. Bonjour, je suis Passepartout. Ah, salut Passepartout, comment tu vas? Je suis le roi de Darky, comment ça va toi? Attends, t'es le roi de Darky, comment ça? Bah la ville, elle s'appelle Darky. Ah ouais, ok, bon, d'accord, ok, bon, apparemment tu serais donc le roi de cette ville, d'accord. Mais alors, déjà, une chose d'assez bizarre, c'est que je t'ai jamais rencontré, alors que pourtant c'était le roi, normalement on devrait te voir et tout, tu vois, donc ok. Je me présente jamais. Non mais, ok, ça j'ai bien compris que tu te présentais pas, mais pour un roi... Je suis le roi. D'accord, t'es le roi, c'est bon, j'ai compris. Mais pour un roi, t'es pas quand même un petit peu petit, non? T'as quelque chose à dire sur ma taille? Oh non, 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 c'est bon, non. Oui. Oh oui. Ok, ok. Non, mais c'est bon, t'es très grand, t'es très beau gosse et tout. Bon. T'es bien beau et tout. Écoute, je vois qu'il y a un pont qui pourrait être franchi vers ici, mais dis-moi... Moi, je le vois pas. Bah écoute, je crois que t'es justement en train de le bloquer, c'est-à-dire que là, je peux pas passer. Dis-moi, c'est quoi du coup, toi, ton prénom, toi?
Moi, c'est c'est Passepartout. C'est Passepartout, ok. Bah, écoute... Je fais une émission qui s'appelle Fort Boyard, je sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose. Les amis, si vous connaissez l'émission de laquelle est actuellement en train de parler, Passepartout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous connaissez Fort Boyard, n'hésitez pas à me dire, voilà, si vous, vous aimez bien. Bah écoute, Passepartout, dis-moi, comment est-ce que je pourrais faire pour franchir ce pont-là? Comment est-ce que ça se passe? Parce que là, je vois qu'il y a trois ponts différents. Explique-moi un petit peu, qu'est-ce que je suis... Oh. Toi, tu peux pas passer, t'es trop petit, hein, à mon avis. T'es pas assez haut. Mais arrête, je suis sûr que si. Dis-moi, je suis sûr qu'il y a quelque chose de particulier à faire. Dis-moi, comment est-ce que je pourrais franchir ce fameux pont? Bah, déjà, pour le premier, si jamais t'as quelques diamants, je pense que je vais pouvoir te laisser passer, hein. Attends, comment ça? C'est-à-dire qu'il faut payer pour aller, pour franchir ce pont-là? C'est pas des missions qu'il faut faire? Ah bah, celui-ci, c'est une petite mission aussi de payer, ça c'est déjà une première mission. Ouais, mais le problème c'est que j'ai pas forcément de diamants sur moi en fait, tu vois. Écoute, ah, tu sais oui, quoi. Ah oui, mais t'as une très belle armure avec une épée, tout ça, très très belle, hein. Je suis en train de J'ai l'impression qu'elle appartient à Fury Jumper, donc très bien, moi tu dois me la donner, hein. Ah ouais, d'accord, ok, bon, et bah écoutez les pods, je crois que je vais devoir me démunir de mon armure, puisque évidemment, si jamais je lui donne, et bah je pourrais franchir la première partie du pont, ce qui serait franchement, voilà, super cool pour que l'on puisse continuer notre aventure. Ouais. Tu pourras toujours pas. Bah non, ça c'est l'apéro, ça. Ah, il faudra me farmer un petit peu de pierre. Ah bah oui. Bah allez, bah c'est parti, je vais aller te récupérer de la pierre dès maintenant. L'armure. Ok, hop, bon. Les amis, je crois que j'ai peut-être un petit peu triché, j'avais pas le droit de porter bien d'armure pour cette vidéo. Ow, mais qu'est-ce que... What? Qu'est-ce qui s'est passé, les potes? Ok, bon, les potes, il s'est passé un truc de vraiment bizarre. Ah, ok, ouais, je me disais bien, j'ai pas trop compris. Ok, bon. T'as le droit à plusieurs vies, hein, durant ces péripéties. D'accord, ok. Bon, voilà, je te passe l'épée, je t'ai passé mon armure. Alors, par contre, quand même, je tiens à te demander quelque chose, quand même, jamais je sors sans avoir de pull. Donc maintenant, il faudrait quand même, hein, si tu veux que je fasse la mission, que tu me donnes un pull en cuir. Parce que sinon, ouais, moi, je pourrais malheureusement pas pouvoir faire ce qu'il faut. C'est quoi, dernièrement, je connais une nouvelle boutique qui s'appelle la boutique Twinner, qui est disponible dans toutes les vidéos. Donc voilà les potes, et ben écoutez, regardez-moi ça, voilà, c'est un pull de ma collection Twinner qui est actuellement sur moi, vous avez pu le voir. Si vous voulez l'acheter vous aussi et pourquoi pas vous faire un petit kiff, et ben dès maintenant, allez dans la description, il y a un lien avec un accès pour aller sur la boutique, donc elle s'appelle Teespring Twinner. Merci à toutes les personnes qui commandent des t-shirts et des pulls dessus, ça me fait vraiment trop plaisir. Et puis bah écoute, du coup voilà, maintenant que je t'ai passé mon armure et mon épée, dis-moi combien de pierres est-ce que tu veux que je te récolte? Des pulls, parce que moi je les mettrai jamais. D'accord, donc dis-moi combien plutôt de pierres il faut que je récolte pour que je puisse franchir cette première partie. Attends, je vais compter, je réfléchis. Ok. 1, 2, 3. Bon, on va le laisser 17, un petit peu réfléchir. 64. Oui. 1028. Quoi? C'est 4 doubles coffres de pierre. Non. Écoute, non, là je crois que t'es un petit peu trop en train de me demander parce que. Au revoir. Non. Impossible. 4 doubles coffres, mais t'es complètement fou dans ta tête. Bon, allez, 3 stacks de pierres. 3 stacks de pierres, ouais, ça me semble déjà un peu plus convenable. Allez, c'est parti, allons-y. Donc, les potes, vous avez entendu, voilà, on a donc notre mission à devoir réaliser. On va récupérer 4 stacks de pierres. Alors donc, ça va, c'est pas non plus trop demandé. Hein? Eh là, t'es en train de casser ma montagne, là, tu casses à l'intérieur, tu te fais un trou, non mais oh là. Ok, ça va. Mais n'importe quoi. Ah mais wesh, il commence à s'énerver aussi, le frérot. Allez, c'est parti, récupérons donc dès maintenant 3 stacks de pierres. Donc ça devrait pas être super long. On a déjà quasiment fait notre premier stack. Et puis voilà, une fois qu'on aura les 3, on pourra repartir et accéder directement à la mission pour faire le deuxième pont. Donc je pense que vous avez un petit peu compris comment se déroule la vidéo, hein. On va devoir tenter de faire les 3 missions différentes pour qu'à la fin de la vidéo on puisse découvrir qu'est-ce qu'il y a. Et attention les potes, parce que apparemment il pourrait s'agir d'un superbe, mais vraiment quand je dis un superbe, un énorme trésor qui pourrait être caché à la fin de la vidéo, hein. Donc c'est pour ça, si vous voulez vous aussi découvrir de quel secret il s'agit, restez bien jusqu'à la fin, puisque franchement, ça va vraiment être un truc de ouf. Donc voilà, je pense que vous allez vraiment kiffer. Allez, c'est parti, récupérons plutôt de notre côté nos 3 stacks. On est déjà quasiment à 2 stacks, donc allez, on va finir par récupérer notre deuxième. Et on va directement enchaîner avec le troisième stack. Franchement, on est plutôt bien, hein. On est franchement bien. Ok, nickel, regardez-moi ça, j'ai déjà quasiment 2 stacks, ok. Hop, il nous en manque presque... Bah, il nous en manque quelques-unes. Oula, il commence à y avoir un petit peu de vent, on dirait bien, vers ici. Faut faire un petit peu attention. Oui. Wesh. Pourquoi est-ce qu'il se met à y avoir du vent comme ça, vers ici, là? C'est bizarre. Oui. Encore du vent. Mais wesh, mais attendez, il est en train de...
Eh hey, Twiller, je t'appelle. Fais pas gaffe, mais il y a des petites tempêtes de vent dans les grottes. Oula, mais oula, mais c'est carrément des tempêtes. Oula, mais c'est des tempêtes de neige, ça, les potes. Regardez-moi ça, il y a de la neige de partout. Ok, bon, on va. Waouh, mais wesh. Wesh, regardez les potes. Il y a de la neige de partout. Aïe, oh, oh, les potes. Regardez, oui. Vite, faut que je parte. Oh, oh là. Ah oui, mais je m'attendais pas à ça. Attendez, si en plus de ça, les potes. Oh. Alors ça par contre c'est pas de la neige ça. Oh vite, faut que je parte. Les potes, ok. Bon ça va. Allez les amis, vite, on va partir de cette grotte là. C'est peut-être un petit peu dangereux. J'ai quasiment récupéré mes 3 stacks de diamants. Donc, enfin de diamants, de pierres. Donc on est pas mal. Il nous en manquerait encore un tout petit peu. Oui, encore. Mais wesh. Attendez les potes. Tu te dépêches là. Ouais, ça bouge. J'ai quasiment fini. Ok, bon, les potes, il me manque. J'espère que t'as pas eu de problème de neige ou de feu ou de. Ouais, ouais, non, ça va, je me suis bien débrouillé. Bah écoute. Je prévenir avant, désolé, allez. Mec. Ouais, non, mais t'inquiète pas, je m'en suis quand même plutôt pas trop mal sorti en vrai. Allez, on va récupérer encore. Il nous manque combien? 3, je crois, de pierres. Bah écoutez, les potes, tac. Et c'est bon, nickel. Oh, et ben les potes, c'était quand même assez sportif, hein, cette première étape de cette première épreuve, hein, qu'on a dû réaliser. Allez, c'est parti au moins. Maintenant, elle est faite. Tac, on va récupérer ça, nickel. Wow. Et ben écoute, franchement, la première mission fut quand même assez rude, mais j'ai fini par la réussir. 3 stacks de pierres, comme convenu. Donc voilà, j'ai fait donc la première partie de cette épreuve et de cette mission. Je pense que maintenant je peux donc passer, eh bien, le VIP. Donc ça veut dire que j'ai accès donc. Peut-être tu parles un peu rapidement, mon pote. Hein. Regarde, on va tester si t'es digne de ça. Tu vois la pierre que tu viens de me donner? Tu la vois? Regarde. Et ben maintenant, hop. Et ben tu la vois plus. Quoi? Mais pourquoi t'as fait ça, mon pote? Bah, est-ce que tu penses que c'est juste ce que j'ai fait? Non. Clairement, ça, j'ai clairement pas du tout aimé ce que t'as fait là. Non, mais t'es fou ou quoi? J'ai passé. C'est parfait, t'as réussi l'épreuve. Bien joué à toi. Ah. Allez hop. Ah ok. Ah d'accord. Ok. Bah, c'était une épreuve de répondre à cette question. D'accord. Ah ok. Ok. Bon bah écoutez, j'étais à deux doigts de dire peut-être que oui parce que bon, il s'agissait quand même du roi. Hein, mais bon, je lui ai quand même porté. Enfin, je lui ai mis. j'essaie voilà de dire comme quoi c'était pas bien. Bah écoute, nickel. Il gagne beaucoup quand même les petits twinners là. Hein. Ouais. C'est vrai que j'ai pas forcément les mots qui me viennent. En même temps, je suis face au roi de la ville quand même. Attends. Si je dis une bêtise. Non. Je suis pas le roi. Je suis le. Non, le roi c'est Darky. Moi, je suis son sous-fifre. Bah non, Darky c'est pas du tout le roi. Frérot. Hein. Darky c'est le roi de l'univers. Lol, MDR. Bon écoute, quelle est donc la seconde mission maintenant que l'on devoir réaliser donc? Alors la seconde mission elle est un peu plus compliquée que celle, bah que la première. Hein. J'espère que t'es prêt à tout faire, tu vois ce que je veux dire. Alors écoute, la première elle était pas du tout compliquée, déjà qu'on soit clair, c'était juste que c'était un petit peu chiant et un peu long. Donc dis-moi plutôt quelle est la seconde mission et partons directement la faire. Déjà je vais te poser une question, tu préfères ta copine Marina, parce que je me suis renseigné, hein, ta copine Marina le petit poisson, ou ouais. Tu préfères ton fils Twitwi qui détruit tout? Bah écoute, je sais pas forcément si je suis vraiment apte à répondre à une question pareille, mais je pense que je préfère mon vice. Mon vice. T'es sûr, tu valides la question? Ouais. Désolé, mais malheureusement, ça va être une bonne réponse. Ouais. C'est bon. Ah bah non. Ah bah non, ça c'est l'apéritif. Bon, la mission d'aujourd'hui. Tu vois la pierre que t'as récupérée tout à l'heure? Bah ouais, du coup elle est tombée, tu l'as acheté dans le vide, ouais, ok. Non, j'en ai jeté que 3 bouts de la pierre. Ah, ok, ouais, bon, ça va. Ouais. Tu vas faire un petit truc pour moi. Alors, d'accord. Tu vas ici me construire une maison en pierre. Maison en pierre? Eh bah écoute, ouais. Tu sais quoi? C'est comme si c'était fait, donc une maison en pierre. J'ai pas encore tout dit. Il faut que la maison en pierre elle tienne dans le vide. Et faut carrément. Qu'il y ait juste un seul bloc qui tienne jusqu'à ma base à moi. Voilà. Ah ok, donc ça veut dire comme ça en fait quoi. Voilà, et après genre tu construis comme ça mais okay, tu touches pas entre les deux. Hein. Vas-y, j'ai capté. Bon bah écoute, bah c'est parti. Tu vas voir, je vais te faire une magnifique maison en pierre. Alors dis-moi, pour la dimension, vu que j'ai pas non plus énormément de blocs, je t'en fais pas une superbe grosse maison, non, plutôt une petite maisonnette.
Comme je suis le souffle-fifre du roi, pour le roi, il faudrait un truc 1000 sur 1000. 1, 2, 3. Pff, lol. Mais arrête-toi un petit peu. J'ai même pas. Il y a même pas de quoi faire un truc 5 fois. 10 fois 10 déjà avec le nombre de blocs que j'ai sur moi. Vas-y, allez, fais-moi, mon copain. Allez, dépêche-toi. Allez, vas-y, c'est parti. On va essayer de faire un petit truc assez sympathique. Donc, let's go. Construisons directement une jolie maison. Enfin, bon, une jolie, je sais pas forcément si ça va être vraiment super joli. Puisque, évidemment, avec des blocs en pierre et uniquement des blocs en pierre, ça va être un petit peu compliqué. Mais allons-y, faisons notre petite base. Monsieur, ouais. Tout twinner. Je crois que je vais t'enlever des points là. Comment ça, tu vas m'enlever des points? Pourquoi tu voles? Non, je vole pas, pardon. Crois que je vais t'enlever quelques points. Non, mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, mais je vole pas du tout. Regarde, je suis en train de construire la maison. Oh, les potes, je savais pas qu'on n'est pas le droit d'utiliser le mode créatif, les potes. Bon, on va faire comme si j'étais en survie. Tac, ok. Ouais, tranquille, je suis en train d'avancer la base là. Ok, bon, il me regarde pas. Waouh, ah ouais, d'accord, c'est bon, il m'a cramé. Il m'a remis en survie, les potes. Ok, bon. Tu sais quoi, comme pénalité pour la prochaine mission, elle sera encore plus compliquée. Ah non. Bon, bah écoute, dans tous les cas, après la prochaine mission, c'est la dernière. Donc, bon, bah écoutez, hein, c'est comme ça, hein, écoutez. Allez, c'est parti, finissons en tout cas, nous, notre maison que l'on devait réaliser. Alors, par contre, je crois que je vais manquer d'un petit peu de blocs, hein, les potes, parce que si on va faire une aussi grosse maison, il va nous falloir un peu plus de blocs, quoique peut-être que ça devrait pile poil suffire. Ouais. Il te reste encore 10 secondes. 10, 9, 8, oui. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est fini. Oh, mais mec, j'ai même pas eu le temps de finir. Mais c'est une blague. Oh là là. Ah, ok, bon, allez, c'est parti, on va vite fait finir tout ça. Ok, tac, vous êtes prêts? On va faire un petit truc magique, les potes. C'est une technique un petit peu interdite, on va pas se mentir, les potes, c'est aussi la technique ancestrale. Alors, les amis, ne répétez pas quand même, parce que je crois qu'on a peut-être pas trop le droit de tricher comme ça. Ok, voilà, nickel. Voilà! Bah, écoute, j'ai essayé de te faire un truc sympathique, franchement, c'est pas trop mal. Il y a une règle que j'avais oublié de te dire, interdit de faire quelque chose de carré. Hein? Allez, bonne chance. Bah écoute, c'est parfait puisque c'est rectangulaire. Et si, mon pote. Ouais. Si c'est carré, malheureusement t'auras une sanction. Et non. Celle-là ça, bah écoute, tu sais quoi, viens, on va compter ensemble si c'est carré ou rectangulaire. Allez, c'est parti, on va compter en... Bah, t'es en haut. Ouais, je suis sur ta base. Allez, c'est parti, comptons. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attends, je veux compter dans l'autre sens aussi. Donc là, 8 déjà. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. 9 et 9. Voilà, c'est carré. Non, hep, t'en as oublié un là. T'en as oublié un. Non. Mais les potes, mais c'est pas du tout le roi de la ville celui-là. C'est un pur arnaqueur en fait. Les amis, il est en train de dire comme quoi ma base elle est carrée. Alors que regardez, nous, on va la compter ensemble. Puisque bah visiblement, il y en a un, il sait pas compter jusqu'à 11. Hein. Donc c'est parti, comptons ensemble. Alors, regardez-moi ça. Donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Et maintenant, on va compter de l'autre côté. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais attends. Oh, vas-y, tu sais quoi? Tu sais quoi, pour la peine, hop, on va passer le pont nous-mêmes. Voilà, hop là. Qu'est-ce que tu fais, toi? T'es sûr? Oui, je suis sûr, je suis très très sûr de moi, parce que franchement, j'ai réussi la mission. Tu t'avais dit que... Je t'ai dit que t'avais le droit à plusieurs vies. T'es sûr, toi, tu veux me désobéir, mec? Ouais, je suis sûr. Encore? Non, mais, je t'ai dit que... Je crois que ta maison, elle va y passer, hein, mon petit pote. Bah, écoute, hein, en attendant, t'es un tricheur, parce que ma maison, c'était du 11 sur 9, donc ça veut dire que déjà, t'es un menteur, hein, parce que... Je suis pas un menteur. Bon, écoute, tu sais quoi? Rattrape-toi sur cette dernière mission, parce que je crois bien que là, c'est la toute dernière ligne droite qui reste devant moi, là. Alors... Ah ouais, c'est la plus compliquée. Ah, les amis. Que tu la dises. Alors, ouais, je veux bien que tu me dises, mais juste avant ça, j'ai une petite question à te poser quand même, parce que là, je me pose des questions. Alors, en gros, voilà, on a franchi une partie du pont, une deuxième partie du pont, mais qu'est-ce qui se cache, en fait, à la troisième partie du pont? Il y a un trésor, il y a une surprise, qu'est-ce qu'il y a à la fin? Il y a un géant secret, le secret le mieux gardé de la ville que Darky ne révélera jamais à personne. Les potes, vous avez entendu? Apparemment, si jamais j'arrive à terminer ce pont,
on découvrira un superbe gros secret sur Darky. Donc les potes, franchement, ça reste assez intéressant. Hein. Moi, j'aimerais bien savoir des petits secrets sur Darky. Peut-être que on pourrait lui faire des petites blagues une fois qu'on connaît ce secret, s'il est peut-être un petit peu gênant, hein, qui sait. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez vous aussi découvrir le plus gros secret de Minecraft. Apparemment, il pourrait même peut-être concerner donc Darky, donc on verra bien ce qui se passera. Restez bien en tout cas jusqu'à la fin de la vidéo, ça va être vraiment un truc de fou furieux. Donc et bah écoute, voilà, maintenant que j'ai une idée de qu'est-ce qu'il y a à la fin de la base, je suis chaud pour que l'on découvre ensemble c'est quoi du coup ce fameux secret. T'es chaud mon petit Twitter? Ah ouais, je suis chaud bouillant là, vas-y, okay. Dis-moi. Je vais te dire exactement c'est quoi cette mission. Tu vas me sauter dans la lave. Oh mais... Ah bah... Mais... Est-ce que t'en es digne? Est-ce que t'en es pas digne? Ouais, 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 non, mais attends, mais c'est super dangereux, ça. Donc tu le fais ou tu le fais pas? J'ai le droit, hein. Bah écoute, si je le fais, j'ai le droit. Mais si je le fais, je pourrais même pas passer sur le pont vu que je serais mort. Game, mauvaise réponse. Fallait dire direct non. Bah voilà, allez hop. Hein, mauvaise réponse. Ah bah c'était une question, mec. Ah mais, oui. Mais non mais... Ah, pas trop tard, ah, trop tard. Mais j'ai ni dit, j'ai pas dit ni oui, ni oui, ni non. Trop tard. C'est bon. Quoi, je vais te poser une autre question. Vas-y, vas-y. Si tu y arrives. Ok. Alors, es-tu prêt? Ouais. Ok. Est-ce que cette ville est la meilleure ville du monde? Réponse A, oui. Réponse B, non. Réponse C, extraordinaire. Bon, on va dire la réponse C, extraordinaire, vraiment trop bien. Ouais, je vais regarder. Oh. Je suis désolé, mais c'est la bonne réponse. Ouais, let's go. Ok, bon voilà, on a réussi à répondre à la première partie de cette fameuse énigme. Et donc maintenant, quelle est la mission qui m'attend avant de franchir le plus grand pont de cette ville? Regardez-moi ça. Ouais, vas-y. Ok, vas-y. Il faut que t'ailles dans le coffre-fort de Darky et que tu voles tout. C'est sérieux, la dernière mission. Et tu me donnes tout, hein. Tu me donnes tout à moi. Ouais, bah, jure. Ouais, et tu pourras accéder au coffre-fort là-bas. Ah ouais, mais attends, mais c'est bizarre, j'ai un peu du mal à te croire. C'est sûr que c'est ça qu'il faut faire? Oui, c'est la dernière mission, oui, promis. Allez, dépêche-toi. Allez, okay, papa. Ok. Bon, les potes, apparemment, la toute dernière mission serait d'aller se servir dans le coffre-fort à Darky. Alors, je me rappelle plus exactement de où est-ce qu'il est, mais bon, allez, c'est parti. Partons en direction, eh bien, de ce fameux coffre-fort et récupérons, eh bien, évidemment, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Franchement, on devrait réussir à trouver pas mal de choses, hein. On va voir un petit peu s'il a de l'argent ou non, mais franchement, je crois qu'il était plutôt blindé. Donc, allez, c'est parti, allons-y. J'avais normalement laissé une voiture pas très très loin d'ici, donc on va voir si elle n'y est pas toujours par hasard quand même, hein. On sait jamais. Allez, let's go, tac, partons à l'endroit. Ok, donc je vais poser ma petite caisse de véhicule. Ok, nickel. Tac, on va récupérer maintenant la voiture et le volant, etc. Ok, bon, maintenant on va partir en direction de la maison. Ok, c'est parti, voilà, on va prendre la voiture et on va foncer tout droit maintenant. Allez, c'est parti, on va aller maintenant se fournir un petit peu en matériel, en argent et avec tout ce qu'il y a dedans, surtout dans la maison. Ok, c'est parti, tac, let's go, allons-y. Allez, on va directement courir tout en haut et on va récupérer, eh bien, tout ce qu'il nous faut. Ok, c'est parti, let's go. Normalement, le coffre-fort, il était juste ici. Nickel, ok, il est bien là. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des blocs intéressants? Je ne le sais pas, mais on va voir. Ah ouais, oh, regardez tous les blocs de diamants. Allez, on va tout récupérer, tac, les diamants. L'or aussi, on va récupérer, ok. Là-dedans, il n'y a plus rien. Ok, c'est bon, nickel. Eh ben, écoutez... Ah, on va peut-être juste quand même refermer le coffre-fort, on sait jamais, hein, s'il y a des autres voleurs qui viennent. Bon, en tout cas, j'ai déjà récupéré tout ce qu'il faut, donc nickel. Allez, on fait demi-tour et on va ramener tous les blocs que l'on a chopés, ou en tout cas une bonne partie. Et puis comme ça, on pourra accéder à la, bah, eh bien, à la fin de ce pont, en espérant qu'il ne se casse pas quand on essaye de passer, puisque évidemment, c'est le plus long pont qu'il y a de toute la ville. Et ce pont-là, il est quand même assez dangereux, je pense que, quand vous l'avez vu avec moi, hein, il donnait pas forcément super confiance, il avait l'air d'être un petit peu fragile, donc... En espérant qu'il ne se casse pas, qu'il ne se pète pas tout simplement sous nos pas. Allez, c'est parti, remontons tout en haut du volcan. On va passer par les petits chemins qu'il y a vers ici. Ok, par ici là je crois qu'on a encore un petit peu de passage. Ok, nickel les amis. Et franchement, on arrive à grimper tout en haut, hein, les potes, hein. On fait un bon... Ah, oula, ok, bon écoutez, vous savez quoi, on va laisser ça de côté et montons directement tout en haut. Ok, c'est bon, on est là. Ah, alors, est-ce qu'il est là, notre fameux monsieur? Ah, le voilà! Il est ici. Ok, nickel. Bon, écoute, c'est bon, je suis parti récupérer tout ce qu'il faut. Regarde un petit peu tout ce que j'ai, mec. Regarde-moi ça. J'ai vraiment
tout pensé, enfin j'ai vraiment ramené tout ce qu'il faut, hop, et même les lingots d'or, voilà franchement, et là t'as absolument tout, mais vraiment hein. Alors. Ouais ouais, là j'ai tout, mais tu réussis pas ta mission là, fallait les mettre dans le coffre là, hein. Ah, ça fait des points en moins ça. Ok hein. Ok, bah voilà, c'est bon, ils sont mis dans le coffre, ok, bah écoute... Normalement, mission accomplie, hein, j'ai même pas traîné en plus, je suis arrivé en 2 minutes, donc hein, franchement, je devrais même avoir des points bonus quand même, parce que t'as dit des points en moins, mais là c'est des points en plus quand même, hein. Bon, on verra, ok. Attends, je vais bien récupérer déjà tout le coffre, attends, hop, vas-y bouge-toi de là, voilà, hop, c'est bien, voilà, ok. Ok. Donc, oui, tu auras des points bonus pour ce que tu as réussi à accomplir. Bien joué à toi, mon pote. D'accord. Donc, maintenant que j'ai fait tout ça, j'ai accès maintenant au pont. C'est parti. Oui, mais attends. Il y a juste une dernière petite question. Et puis après, tu auras accès au pont. C'est oula, bon, attends, ça nous fait quand même pas mal de questions, tout ça. C'est un questionnaire. Allez, c'est la dernière, ou quoi. Allez, c'est parti. Okay. Vas-y, on t'écoute. Combien tu as de diamants et de blocs de diamants et d'or dans ton coffre-fort? T'inquiète, c'est la dernière. Et puis après, c'est bon. Dans mon coffre-fort. Mais attends, ouais, mais... Ouais, t'inquiète, Darky, il connaît, enfin voilà, t'inquiète, c'est bon. Ouais. Attends, parce que déjà, je suis pas vraiment sûr que j'ai vraiment envie de répondre à ta question, pour commencer. Si, t'inquiète, sinon, malheureusement, tu pourras pas avoir le chien en coffre-fort qui est là-bas avec plein de diamants. Bah, attends, hein, attends, viens vers ici. Oh, les potes, vous savez ce qu'on va faire? Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, bon, évidemment, hein, j'ai pas trop envie de répondre à ces questions. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais faire comme si j'allais lui dire un secret. Sauf qu'en fait, c'est que une fois, voilà, au moment où je vais lui dire le secret, je vais le pousser dans le vide. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va sûrement tomber. Et comme ça, je pourrai rapidement accéder à la fin. Et puis découvrir qu'est-ce qu'il y a en face. Ok, attends, bah viens, je vais te le dire dans l'oreille, là. Vas-y, viens. Okay. Non, tu me le dis tout de suite, là, avant. Bah, viens. Sinon, je te laisse pas. Mets-toi à côté de moi. Ok, bon, bah, attends, je te laisse pas passer. Mets-toi à côté de moi, sinon je peux pas te le dire dans l'oreille. Attends, ouais, parce qu'il faut pas que tout le monde nous entend. Ok, bon, tu voulais savoir combien j'ai d'argent dans mon coffre, c'est ça? Ouais, voilà. Vas-y, viens. T'as combien? Ok, ouais. Et bien ouais. J'ai... Ah, boum. Wouah. Il est tombé, les potes. Non, je suis encore... Oh, combien t'as? Dépêche-toi. Bon, dis-moi combien t'as. Bah écoute, je suis multimilliardaire. Il y a des centaines de millions de blocs de diamants, okay. C'est bon. Ok, bah c'est parfait. Et bah tu peux passer. Yes. Allez. Merci mon petit Willy. Ouais, c'est ça. Je t'ai attaqué. Attends, mais quoi? Attendez, y a rien à la fin du... Non, arrêtez. Me dites pas qu'à la fin du pont mystérieux, il y a rien quand même. Non, perdu. Hein? Ah, mais non, mais arrêtez, mais depuis tout à l'heure, c'était un troll. Regardez ça, les potes. Non, mais j'y crois pas. Attendez, les potes. Donc là, je me suis clairement cassé la tête pendant 30 minutes. Tout ça pour récupérer de la... du caca normal, du caca liquide, du caca solide, du caca mou et du caca... Oh là 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 là. Eh, si je le retrouve, ce foutu roi-là qui n'en était pas du tout, en fait, c'était juste une pure arnaque du début à la fin... Si je le rechope, vous allez voir qu'il y en a un, ça va barder pour lui, hein. Attendez, où est-ce qu'il est, là, que je le chope? Où est-ce qu'il est? Bon, les amis, en tout cas, franchement, mine de rien, ça a été quand même assez drôle. Ce roi-là, en même temps, j'étais persuadé que ce n'en était pas un, puisqu'il ressemblait pas à grand-chose, hein. Il était un peu bête, tout petit, tout mince, enfin, petit et gros, voilà. Pas trop beau gosse, mais bon. En tout cas, voilà, c'était quand même assez drôle de tourner cette vidéo avec lui. En tout cas, si la vidéo t'a plu et que tu aimerais voir de nouvelles vidéos de ce genre, mais attention, cette fois-ci, avec un énorme secret à la fin de la vidéo, dès maintenant, abonne-toi vite à la chaîne YouTube et mets un gros pouce bleu, c'est super important. Dès maintenant, n'hésite pas aussi à pourquoi pas devenir sponsor de cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton devenir sponsor qui est en description. Merci à ceux qui le font, ça me fait vraiment trop plaisir. Et en plus, n'oubliez pas que je fais une dédicace à toutes les personnes qui prennent le grade sponsor boss ou le sponsor mega king, c'est vraiment trop cool. Et puis tu peux même dès maintenant, pourquoi pas, cliquer sur le lien en description pour aller sur ma boutique de vêtements, voilà, Teespring Twinner. Voilà, sinon tu tapes sur YouTube, sur Google, boutique de vêtements, Twinner, Minecraft, et tu retrouveras tous mes vêtements, etc. C'est vraiment trop cool. Et vraiment, t'auras les meilleurs vêtements du monde. Exactement, c'est mieux que toutes les marques que vous connaissez, parce qu'évidemment, moi maintenant, je porte que du Twinner, les amis, c'est vraiment trop confortable. Merci à toutes les personnes qui commandent des t-shirts, des pulls, des coques de téléphone, des serviettes de plage, des mugs, et tous les autres articles que l'on retrouve sur ma boutique. Et puis bah écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne fin de soirée, et à la prochaine. À plus. Allez, ciao.